C'est magnifique. Cette journée, 26e, journée blanche. Le ciel comme le sol, comme les arbres, comme tout. C'est magnifique. Allez, viens avec moi. Je te montre un petit bout, quelques kilomètres. Voilà les amis, je fais une petite pause parce que je savais que j'étais dans le blanc ces derniers jours, mais comme la lessive, il y a plus blanc que blanc. Donc je me suis arrêté pour reposer mes yeux, pour les fermer parce que je suis aveuglé par cette beauté. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est absolument pas monotone. C'est magnifique, magnifique, je prends vraiment mon pied. Regardez-moi ça, le calme. Le blanc, que du beau. Là. Et de la poudre, la bonne poudre. Là. Bon, la route devient de plus en plus blanche, verglacée. Ça godille pas mal. Ça me rappelle un peu le fèche-fèche au Dakar. Toujours en train de bouger, gauche, droite. Bon, sauf que là, on tombe pas. Mais faut garder gaz. Quoi qu'il arrive, tu gardes gaz et tu tiens la trajectoire. Le regard, toujours regarder loin. Voilà, c'est magnifique. Regardez, j'en mange, mais matin, midi et soir. Il y a pire. Hein. Allez, il me reste encore 150 bornes. Et je crois qu'au bout de la route, c'est le pôle Nord. Hein. Parce que tu peux pas avoir plus blanc. Allez. Je vous embrasse, ciao. Incroyable. Alors, je quitte la Finlande et je rentre en Norvège, mais je vous promets, ça se remarque, parce qu'on arrive dans un biome complètement désertique. Il n'y a plus ces grandes forêts, il n'y a que des petits arbustes et tout est blanc, givré, glacé. Regardez. Voilà, panneau Norvège. Et voilà, un nouveau désert commence. Alors là-bas, c'est la douane. Mais il n'y a personne. On dirait une station au pôle Nord. La route, donc toute blanche. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez, on est en Norvège maintenant. Ciao! Vous avez vu le renne? Oh, magnifique! Je suis pas sur la vue, j'étais en grand angle. Il est parti dans la végétation. Oh mince, j'ai essayé de le choper.